Sur ce diagramme, nous avons représenté, en fonction de l'énergie du photon incident, les trois sections efficaces photoélectrique en rouge, Compton en bleu et création de paires en jaune, et pour deux des éléments que nous allons étudier dans ce TP le plomb, Z égale 82, un élément très lourd, et l'aluminium, Z égale 13, un élément plutôt léger. Sont représentées également les énergies de 511 et 1275 keV à laquelle nous allons travailler pour pouvoir juger de l'importance relative des trois effets photoélectriques comme tonne et création de paires. Si nous nous concentrons sur le diagramme de gauche, le plomb, nous voyons que l'effet photoélectrique est dominant car la section efficace rouge est largement au-dessus des autres, au moins jusqu'à 500 kV. 500 kV, à 500 kV, elle croise la courbe bleue, et donc là, à cet endroit-là, on aura autant de Compton que de photoélectrique. Au-delà, c'est le Compton qui prend la main, et puis pour les très hautes énergies, la, la, le phénomène de création de paires. Le plomb sera un élément très absorbant grâce à cet effet photoélectrique qui a une section efficace élevée. Au contraire, sur le diagramme de droite, nous voyons que l'aluminium, pour l'aluminium, la section efficace photoélectrique en rouge est pratiquement absente. Elle ne devient dominante que pour les très basses énergies. Donc l'aluminium sera un très mauvais absorbant. Par contre, c'est un diffuseur, puisque la section efficace Compton sera au-delà, au-dessus des autres, pendant une large gamme de 5 keV jusqu'à au moins un MeV et au-delà, et, et pendant une large gamme. Et donc l'aluminium sera un élément qui sera très diffuseur.